une fois, c'est très ouvert. Encore une fois avec l'Alpine qui va sortir, peut-être vainqueur sur le shot avec en effet Christophe Gillet qui ne perd pas une miette là cette fois-ci. Il va essayer de rester au contact avec la voiture numéro 51. Voilà, on essaye d'être dans l'aspiration en tout cas de l'Alpine numéro 130. Et de rester bel et bien collé dans la même trajectoire. Non, on a raté le rapport de la part de Christophe Gillet, voiture numéro 151. Pierrick Nicolas est en train peut-être d'aller signer le carton plein dans ses séries, dans sa série en tout cas, du Super Tourisme. Et la voiture 186, Nicolas Pellant, qui est également, qui avait terminé en seconde place, en seconde manche, avec la voiture numéro 186. Et bien, il est là encore dans le trio de tête, Emmanuel Pelletier, avec la voiture numéro 178, c'est Emmanuel au féminin. C'est une des jeunes filles, en tout cas, qui s'est retrouvée la semaine dernière en finale, et plus qu'en finale, puisqu'elle avait pris la troisième place. Derrière, Fabienne Lemercier. On se retrouve donc avec ces demoiselles, en tout cas, qui mettent la trajet haute par rapport à ces pilotes. Avec, Nicolas toujours en tête avec cette Alpine numéro 130, on le voit toujours en tout cas négocier parfaitement son départ, une sensibilité parfaite pour Pierrick Nicolas, et pour l'instant il est nullement inquiété. Une trajectoire un petit peu plus différente hein, pour Christophe Gillet, en plus à l'intérieur de la piste, ainsi qu'Emmanuel Pelletier également pour le quatuor de tête, et puis bon, on est déjà plus dans le rythme, plus du tout dans le rythme pour la voiture numéro 118. Alors, Stéphane, alors c'est déjà très compliqué. Mais on remercie l'ensemble des pilotes de leur participation, et quelle que soit la place d'ailleurs, c'est ça aussi le sport. C'est accepter aussi la domination de l'adversaire, accepter également, eh bien que l'adversaire peut avoir de fibres, de pilotage, en tout cas de technique. Et sur cette terre qui travaille de minute en minute, soit par le biais de l'arrosage ou même encore par le biais des ornières creusées, de la poussière sur les extérieurs des trajectoires, et bien voilà, on accepte la domination. Et quelle domination encore une fois de l'Alpine numéro 130 avec Nicolas, et puis la seconde place, ça n'a rien changé derrière, donc seconde place pour Christophe Gillet. Nicolas Ruellon prenant la troisième place, c'est le pilote local, hein, Nicolas Ruellon, à mon avis, en faisant un petit peu le compte, là, il a fait trois fois troisième. Je pense qu'il va avoir sa belle place en finale. Je vais le faire coucou. Penses-tu? C'est bon, c'est bon.